regardez-moi ça là. Mais mate-moi ce gros putain. Eh, allez lui parler là. Allez lui parler là. Eh, ça, qu'est-ce que tu fais ici toi? Je mange mon déjeuner. Le fait marquant de l'évolution de la délinquance ces 25 dernières années est bien celle de la montée en force des mineurs. Ah, Massac est à côté. C'est que c'est interdit, hein? Allez, casse-toi! C'est interdit ici pour les gros comme toi, là! Allez, casse-toi! L'air du vide où des gosses tuent pour voler une ceinture Hermès. Cette voyoucratie est quelque chose de banal. Fou dans l'apparence, les mineurs. Puisqu'ils sont le produit de notre société. Ah, allez, allez! Et aujourd'hui, ce sont 11 prévenus qui sont jugés. Ils sont tous mineurs. Ils ont entre 15 et 17 ans. Mais écoute, tiens, prends mon phone, filme là! Filme! Tu vois là, tu vois! De la violence comme mode d'expression. Et symboliquement quelque chose qui existe. Des agressions physiques pour des provocations. Une fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'est du prestige, du pouvoir, de l'estime de soi. Il n'y a plus d'autorité nulle part, ni à l'école, ni au niveau des forces de l'ordre. Ils sont vraiment débordés par une délinquance qui explose. C'est une réalité. Lève-toi, prends mon phone. Il y a des gamins qui sont complètement perdus. Mais non, mais c'est n'importe quoi, on parle des cobaltes, on trouve des excuses, des parades. C'est la représentation de la violence qui les obsède par-dessus tout. Mais c'est selon vous, cette violence, associée au culte du beau et du luxe, est devenue leur idéologie. Mais regardez-moi cette meuf là-bas. Sans déconner, tu sais très bien que t'as les dents super jaunes. Tu te permets de sourire à tout va? J'hallucine. Dégueu. Il y en a une, elle me parle, je l'envoie chez direct. Je sais même pas comment ils font pour sortir dans la rue, ça comme ils se montraient. Franchement, j'ai envie de raser cette ville. Hey, Giorgio, Giorgio, tu crois que les gros ça flotte, hein? Putain, j'en sais rien. Tu veux tester? Allez, vas-y, mon gars. Allez, vas-y, non. Allez, mettez-le. Non, s'il vous plaît, non. Non. Quoi ça? Quoi, c'est quoi ça? Mais c'est pas cobalt ça? Mais si, c'est cobalt. Mais c'est bleu outre-mer, me fais pas croire que c'est bleu cobalt. Oh, c'est calmez-vous là! Domenico, il arrivait quoi à ta chemise? Rien, c'est ma mère, elle a mis du noir dans la machine à laver, ça détend, c'est tout. Tu vois, je te l'avais. Dans la machine, mais ça se lave pas en machine, chemise pareil. Entrer chez les cobalt, c'est comme entrer dans le groupe des gamins populaires de l'école. Tu te sens mal, mais t'essaies de faire comme eux. Ils sont populaires parce qu'ils créent l'envie et la peur. Ils sont beaux, ils sont violents. Ce qui fait qu'ils sont adorés par leurs petits fans en quête de reconnaissance. Mais bien sûr. Vous allez tous les deux entrer dans cette boutique. Tout le monde à terre, personne ne bouge. Trouvez un costume à votre taille. Et pas de pitié, hein. C'est simple. Vous rentrez, vous menacez les vendeurs. T'allais faire quoi là? Que vous allez vous servir. Mais attention, après ça, il n'y aura qu'un seul Valentino. Pas deux. Bon, il fout de quoi là, putain? On y va là? Ouais. La vidéo du braco, elle a été retweetée 1643 fois. On est même sur BFM, les gars. Allez, du 50 pour monsieur, mettez-en une dizaine. Dans le sac. Vos bleus en cachemire, ceux avec les trois boutons devant, ils sont où? On en a plus, monsieur. Comment ça? C'était la collection hiver. Putain! Vous êtes sûr qu'il vous en reste pas un dans vos cartons? Depuis quand tu parles du Valentino? Bon, moi je vais voir à côté. Ouais, bah moi aussi. Y'a rien pour nous là. Non, vous restez ici, les filles. Giorgio aussi. Ok, ok, bah vas-y, qu'est-ce que tu fous? File-le! On se casse. Lisa! Où es-toi? On va pas venir te chercher! Les gars, attendez-moi! Putain de merde! Ça va, il sera là chez moi. T'inquiète, on est tous passés. Bon, t'as mérité ton nouveau nom? Valentino. Bienvenue parmi nous, Valentino. Et toi, tu ferais quoi? Là, maintenant, tout de suite, pour changer les choses. Je sais pas. C'est simple. Faut que tu détruises quelque chose de moche. Un truc bien laid, bien répugnant. Un truc qui pique les yeux, qui flingue le décor. Et il doit rien en rester. Alors choisis bien.
pas les voir ni même les sentir. Les filles flasques, c'est vraiment un fléau. Chaque fois que je vois du Chanel sur des peaux en pas de graisse, ça blesse mes sentiments. Non, ça me brise le cœur. Ça m'anéantit. Si juger les gens était un sport olympique, on me suspecterait pour dopage. Je comprends pas les meufs qui se décolorent la moustache. Elles savent que ça change rien, non? Quitte à épiler et souffrir 5 minutes, si c'est pour soulager leur entourage, ça vaut le coup, non? On a marre de toutes ces grosses qui exhibent leur cellulite apparente sous leur legging. Fais du sport, cache-toi et maigris, mais faut pas que je te vois. Dans ce quartier, les moches, c'est interdit. Tout ce qui y passe ou le traverse, bim! Je suis pas d'être bon en photo, faut aussi être bon en vrai. Regardez-moi. Les gros, les moches, les vieux, ce que j'aime chez eux, c'est les voir souffrir. Les filles qui sont moches, grosses, si elles ne font absolument rien pour s'arranger, elles ne devraient surtout pas se plaindre. Croyez-moi, je lui rends grand service à votre enfant.